Parmi les miracles du prophète Mohammed, il y a l'histoire que Al-Bukhari et Muslim ont rapporté du hadith de Jabir, le compagnon du prophète. Il a dit, les gens avaient soif le jour de Hudaybiyah. Ça veut dire dans le jour dans lequel l'armée des musulmans était dans la région de Hudaybiyah avec le messager. Alors que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, avait entre ses mains un petit récipient où il faisait ses ablutions. Les gens sont alors venus à lui. Il leur a demandé pourquoi ils étaient venus. Ils lui ont dit, ô messager de Dieu, nous n'avons plus de quoi faire les ablutions, ni de quoi boire, mis à part ce que tu as entre les mains. Alors le prophète, que Dieu élève ses grades, a placé ses mains dans le récipient et l'eau s'est mise à jaillir d'entre ses doigts comme les sources. Allahu Akbar. Nous avons ainsi bu et fait les ablutions. On demanda, combien étiez-vous? Il a dit, si nous avions été 100 000, cela nous aurait suffi. Nous étions 1 500. Allahu Akbar. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.